Salut les amis, je suis aujourd'hui dans les locaux d'Absa parce qu'apparemment ils ont lancé quelque chose d'un peu spécial et j'ai envie de comprendre qu'est-ce que c'est exactement. J'ai avec moi aujourd'hui MC. Salut MC. Salut Vincent. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Alors MC, j'ai entendu dire, là je n'ai pas trop compris, j'ai entendu dire que vous avez lancé quelque chose qui s'appelle le DJ Account. MC, c'est quoi ça, DJ Account? C'est tout simplement un compte que tu ouvres en ligne. Ok, ok. Mais à part ça, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un DJ Account? Parce que tu n'as pas de frais mensuels, tu n'as pas de balance minimale, et de plus, tu as une couverture d'assurance accident de 250 000 roupies gratuitement. Waouh, wow, ça c'est quand même exceptionnel ça. Mais c'est pas tout. Oh, ok, oui. Tu connais la carte, le passeport? Le passeport pour voyager là, pour quand tu passes les avions? Non, il y a une carte qui s'appelle le passeport. Eh ouais ouais. Que les gens achètent. Oui. Mais que nous, avec ta carte de débit Absa, tu bénéficies des mêmes discounts chez les 300 commerces que le passeport. Alors là, je dis bravo Absa, hein, bravo. Mais en fait, j'ai envie de comprendre, MC. Pourquoi Absa met autant d'emphase sur le digital? Avec le Covid, ça t'intéresse, toi, d'aller faire la queue dans les branches? Non, non. Tu habites où, au fait? J'habite à Quatre-Bornes. Ouais. Et si demain, Quatre-Bornes devenait zone rouge, tu ferais quoi? J'ai pas pensé. Ouais. Ah, bien pensé ça, ça là. Hein, bien pensé. Eh bien, du coup, maintenant je comprends pourquoi on dit DJ Account, life easy avec DJ Account. Je comprends. Eh bien, du coup, on encourage tout le monde à ouvrir son DJ Account alors. N'importe où, n'importe ça, côté de Tété, l'eau, la place, dans mall, dans ce pas qui ça. Ouvrez ce DJ Account avec un laptop, un smartphone, un computer, n'importe quoi, vous ouvrez votre DJ Account. Hein, non? Tu as tout compris. Eh, si tu veux ouvrir pour moi. Merci MC. Merci à toi. Allez, ciao. Ciao.